Gainsbourg confidentiel de Jean-François Brieux par la compagnie Les Musiciens Associés, c'est comme une pépite musicale dans la fournaise du off. On retrouve le début des yéyés dans une atmosphère très jazzy, un vrai régal entre théâtre et concert pour ce biopic savamment documenté. Ce mort de l'ennui qui me vient quand je suis avec toi. Le jour où j'aurai assez d'estomac et de toi pour te laisser choix. Oh oui, ce jour-là, je crois, oui, je crois que je pourrai voir ce mort de l'ennui se tailler à l'anglaise loin de moi. Hommage à Gainsbourg cette année, je crois qu'on on est les seuls. Donc, alléluia. Ça a été l'occasion aussi de la rencontre de ce texte avec Brieux, de Jean-François Brieux, et d'adapter autour toute cette période de Serge Gainsbourg, donc 1958-1963. Une période très underground, hein, très inconnu du grand public, et c'était ça un peu le challenge du spectacle. En fait, c'est amener les gens à se faire une autre idée de Gainsbourg, parce que les gens ont l'habitude de Gainsbar plutôt, parce que c'est là qu'il a été grand public, et donc ils ont souvent une mauvaise image de lui finalement, au bout du compte. Et là, on est allé puiser dans sa première période, là où il écrit tous ses chefs-d'œuvre finalement. Le déclic se produit lorsqu'il voit Boris Vian, transpirant de trouille, ressemblant à une grande asperge blanche, enfilant les couplets sans un regard, sans un merci, interprété les bras ballants, des horreurs, baptisé Je bois, les joyeux bouchers, où on n'est pas là pour se faire engueuler. Il y a un morceau comme Le poinçonneur des lilas, ouais, voilà, qui est joué sur cette énergie. Mais bon, pour l'époque, c'est plutôt qualifié de modern jazz. Modern jazz. Ouais, allez, à ce moment. C'est pas encore Django, là. Django, c'était déjà fait, quoi, disons. Ouais. Django, c'était plutôt les années 20, 30. Voilà. Là, oui, en tout cas, nous, c'est une période qui nous a séduites. Hein. On vient aussi, tous les trois, un peu de cette ambiance et de cette musique. Ça a été un peu notre le jazz pour eux, ouais. les chansonniers pour moi, Michel, ouais. Arnaud, tout ça, toutes ces, voilà, choses-là, tous ces chanteurs réalistes, en fait, c'est vraiment mon univers. Et l'avantage, c'est que Gainsbourg a une tessiture qui correspond tout à fait à la mienne, et et du coup, je suis à l'aise plutôt. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous, les petits trous. Et c'est une sorte, c'est un peu biopique, et en même temps quelque part aussi on apprend beaucoup de choses, voilà, sur cet artiste, donc ça. Le temps du texte de Jean-François Brieux est écrit comme une chronique. Donc oui, il a chroniqué ces albums-là, donc journalistique. Un voilà, peu sur un ton journalistique, donc c'est ce qui donne aussi cette impression, je pense. C'est un documentaire, une sorte de documentaire sur le début de la carrière de Gainsbourg. Alors, on a naturellement les chansons connues, on parlait du poinçonnaire des lilas tout à l'heure, mais il y a surtout beaucoup de chansons que les gens ne connaissent pas. Ouais. Et c'est ça qui, c'est ça en fait qui, à la sortie, les a intéressés, parce qu'ils ont, ils ont redécouvert Gainsbourg. Je vois, à trop forte dose, je vois éléphants roses, des araignées sur le plastron, mon smoking, des chauves-souris au plafond du living room. Il y a eu une très belle saison 2018-2019 avec alors les prochaines dates. C'est terrible parce que oui, il y en a. Alors dans la région, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rasto,
Il y a, si seulement il y avait Karine, elle me donnerait un coup de main. Il y aura vraisemblablement le Lucernaire à Paris. Mais www.gainsbourg-confidentiel.com. Il y aura toutes les dates. Et puis votre public aura tout ça.